Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 103 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à 007 Legends, qui est un des derniers jeux qui parle de James Bond, en gros. Et ils ont fait une sorte de recompilation des histoires qu'il y a eu, et ils ont fait un jeu vidéo. Ils se sont, j'ai envie de le dire cash direct, totalement ramassés. Vous allez voir qu'on va y jouer, on va y jouer. On va pas y jouer longtemps, ça je vous assure. Parce que ce jeu, je ne l'aime pas. franchement, c'est une sorte de... Le jeu de tir en mode James Bond, hein, infiltration, tout ça. Mais vous allez voir que c'est pas vraiment top. Alors, 007 Legend, appuyez sur la barre d'espace. Alors, cette icône indique que le jeu sauvegarde automatiquement. Oui, recherche de contenu additionnel. Voilà. Alors, on va se faire un petit mode solo. Un mode campagne et en faire une nouvelle partie. Voulez-vous commencer une nouvelle partie? Oui. En mode moderne ou classique? Alors on va prendre du moderne. Parce que classique, ça serait un peu trop dur. Donc voilà, je vous laisse la cinématique. Je suis devant le train, madame. Quels sont mes ordres? Éliminez Patrice. Il ne doit pas s'échapper. Je suis en position, madame. Je me prépare à tirer. Négatif. Je n'ai pas d'angle de tir. Ils vont entrer dans un autre tunnel. Mais tirez, bon sang. Maintenant. Ne restons pas ici. Un avion vous attend pour vous emmener à Washington. Félix Tenner vous a fait un vol confortable, James. Nous serons dans une heure à Washington, mais je dois surveiller le pilote automatique. Goldfinger, vous espérez que vous parlerez ? Non, monsieur Bond. J'espère que vous mourrez. Donc nous commençons à jouer maintenant, donc on est en vue FPS première personne. Alors ZQSD c'est pour me déplacer, bon ça j'avais remarqué tout de suite. Souris pour regarder autour de vous, ça aussi j'avais remarqué que je pouvais bouger avec la souris, comme un peu dans les jeux de FPS. Alors par contre un problème direct, c'est la sensibilité de la souris qui est totalement horrible. Non pas paramètres vidéo, c'est bon. La souris que à peine je bouge ma souris que ça bouge de partout, c'est un peu horrible. Alors là il y a un portable. Oula, il est petit bug en plus. Pour répondre au téléphone. Oui, je réponds au téléphone. Ici Bond. Bonjour 007. Vous avez du nouveau? Est-ce que la secrétaire de Goldfinger a parlé? Non, elle est morte. Quoi? Il devait être au courant de notre opération. Le trésor est convaincu que Goldfinger est responsable de la hausse de l'or. Vous prenez le prochain vol pour rejoindre son usine en Suisse. Je suis en route. Thank you.
Tanner à Bond. Nous voulons prouver que Goldfinger fait sortir de l'or d'Angleterre. Trouvez assez de preuves pour qu'on puisse l'arrêter et filer. Donc c'est parti, c'est à nous de jouer la première mission, cette mission là qu'on va même pas finir. Je le prédis d'avance, hein, je sais où c'est que je vais m'arrêter. Donc là on va se faire attaquer, on va essayer d'infiltrer une base là pour récupérer des preuves. Alors par contre, tout de suite ce qu'on repère c'est la maniabilité qui est totalement à chier. Je n'arrive pas à viser avec cette arme, c'est de la merde. Alors non, j'appuie sur une touche, non. Je n'arrive pas à me baisser aussi là, de toute évidence, je n'y arrive pas. Et je me fais tirer dessus de partout. Vous voyez déjà, c'est déjà... Putain, regardez, j'arrive pas à viser. En fait, la sensibilité souris, je vous explique. On la règle, donc... comme on a fait... il y a 2 secondes pour les mouvements de partout. Sauf que quand vous êtes en mode viseur, elle est 30 milliards de fois plus lente. Et vous êtes obligé de faire 10 km avec votre souris pour viser votre ennemi. Parce que vous n'arrivez pas à être précis assez rapidement. Et donc regardez ça. Et j'essaye même pas parce que j'en suis ma race. Là ça va, je l'avais devant moi. Hop. Non. Alors je sais où je dois aller. Heureusement il y a un point. Est-ce que je vais y arriver sans me faire déchirer? Normalement ça devrait le faire. Là ma caméra a bougé un peu. Je vais récupérer une arme. Ma caméra a toujours des petits sursauts assez spéciaux. Voilà, parce que bon, mon pistolet, c'est pas non plus la joie pour tuer les gens. C'est vrai que je suis pas très bien équipé, hein, chez James Bond, je m'attendais à avoir un équipement de fou. Et ben non, j'avais un petit pistolet en carton. Carton papier mâché. Là, il y a des mecs là-bas. Regardez comment je fais pour viser des mecs aussi loin. Et eux me visent très bien, hein, par contre. Hein. Vraiment, ils savent faire. Regardez ça, il me tire dessus, moi j'ai de la peine à viser avec ma sensibilité en carton. Il y a quelqu'un qui me tire dessus, il est derrière moi, non? Non, non, il était devant, alors, parce qu'il y avait personne derrière moi, c'est pas possible. En fait, à chaque fois que vous retournez, vous avez tout le temps plein d'ennemis de partout. Alors, j'ose pas trop me retourner parce que je sais que si je me retourne, je vais revenir devant... Et j'aurai 30 milliards de mecs sur moi. Regardez, je tire de partout, je n'arrive pas. Ils sont devant moi, j'ai rien pour me cacher. Si je vais trop loin pour me cacher, j'arrive pas à les viser parce que déjà j'ai un viseur de merde. Et en plus, on galère. Et il y a quelqu'un, mais il est là, putain, je le voyais plus. Et je recharge, voilà, au milieu. Lui, il me vide son chargeur sur la tête, je meurs pas. Normal. Non, ça c'est pour c'était pour son arme. Alors on va monter là-haut. Indicateur d'objectif, hein, une vise. Barre espace pour sauter. Hop. Bond. Je vais aller ici, maintenir E pour ouvrir. Qui pourrait vous aider dans votre mission. Récupérer les informations du M16 organisation pendant la mission. Donc là, bon, bah il faut que je tire là. Marqué. Maintenant, on est patient. Au feu, les pompiers, la maison qui brûle. Terminé l'objectif. Voilà, j'ai pas eu le temps de lire. Utilisez votre XP pour obtenir un... Putain, j'ai pas le temps de lire. Là, je me fais cramer, je suis allé trop tôt. Et j'ai pas eu le temps de lire. Il marque des trucs, mais j'ai pas le temps de les comprendre. Il y a encore un mec là. Que je n'arrive pas à viser, que j'ai de la peine du moins. Lui là-bas. Lui ici. Ah, j'ai un peu de chance là, ça va. Moi, bon, je veux pas être mauvaise foi, mais c'est vraiment très dur à viser. Regardez ça. Ah! Comment je mets du temps à les viser, quoi. Ça, c'est un temps fou que vous perdez parce que... Regardez, il y a un mec à côté, j'ai pas le temps. Allez. C'est limite, il faut que je bouge, en fait. Il faut que je marche pour viser mieux. Avec la caméra, c'est pas possible. Il faut que je me déplace. Alors, je choisis une autre arme parce qu'elle a l'air un peu mieux.
Je suis pas sûr qu'elle soit mieux. Ah oui. Elle tire une balle, mais une sorte de fusil à pompe. Voilà. Hop. Donc du coup je peux prendre mon temps. À partir du moment où je le vise, bah une balle ça suffit pour le tuer. C'est vrai que ce genre d'arme conviendrait mieux, effectivement. Utilisez les caisses du M16 pour essayer de fixer les extensions à votre arme. Hop. Alors là, regardez, ils sont partis tellement vite. Hop. Lui, normalement, il est mort. Allez, là-haut, l'autre. Regardez, j'ai mis du temps. Hein. Franchement, il aurait pu me tirer dessus. Hein. J'ai mis du temps à viser sa tête. Ou au moins une partie de son corps, celle qui dépassait. Alors lui, je l'ai touché, je sais pas comment j'ai fait, sachant que j'étais carrément au-dessus de lui. On me tire un peu de partout quand même. On n'a pas vraiment de répit. Comment je fais pour viser d'aussi loin, aussi précisément avec une caméra aussi pourrie? Donc voilà. Donc c'est bon, on va le tuer lui. Hop, voilà. Et on va rentrer ici à l'intérieur. Et j'ai envie de vous dire que ce sera tout pour 007 Legends, que je vous déconseille fortement d'acheter. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.